Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Va a hacer esto de base. Acabemos con esto. Está todo. ¡Ale! ¡Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¿Eh? ¡Vuelve ahí! No dejes que este tipo... Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. ¡Está! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? ¡Agárrenmelo! ¡Mira tu agua! ¡Lucha como un hombre! ¡Tu l'as bien cherché! ¡Toma esto, pendejo! ¡Sí, Gustavo! ¡Vuelve ahí! Dale, amigo. Esto es por venderte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Dale una paliza, amigo. Te voy a matar, come mierda. Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Ya basta! ¡Acaba con él! ¡Cierren este lugar! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Qué estás haciendo! ¡Ça suffit, idiotas! ¡Suéltenme! ¿No le puedo transformar? ¿Ah? ¿Pas vrai, le bâton? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, fais-moi signe! ¡Quand t'atteindras les pédales de la voiture! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Abre. Allez, quoi. Combien de temps je vais devoir croupir là-dedans? Hein? Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias. J'étais en train de faire un super rêve. Hé, hé, hé. On se calme. Doucement. Ah ! Calme. Par là. Par là ? Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. Oh,
C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. T'as apporté ce que j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super, merci. Beau travail. T'as trouvé quoi? Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais. Voilà. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutrai une semaine. T'es un sacré acteur, Arias. Presque aussi bon que moi. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh, la vache. Ils t'ont vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine. Rien de bien méchant. Allez, viens. Eh, hey, wow. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Rafe, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Bref, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avery prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel?
Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avery, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce trois. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Ah... Je savais pas qu'il avait autant... d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ok? Muy tarde. Hey, mais lâchez-moi! Ok, espera! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alínense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Es que tú fais de la contrebanda? Oh, yes. ¡Cállate! ¿Por qué es que tú te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas? Et sérieux, là? Oh... Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors? On est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord? Vous me prenez pour un con? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me... Tu Mais putain... Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Mais merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! Tends-moi la main! Non! Sam!
Allez, faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Fais comme tu veux. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère, cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche, là. Attends un peu. On en reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Et si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause. Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça? Et le boulot de jeudi, alors? Arrête, tu rigoles. Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près, maintenant? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Waouh! Regarde-moi ça! On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Je fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois? Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, hey, t'as fait du bon travail. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement, on a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job, le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là, il a les autorisations? Non, il a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il y a pas d'autorisation, il y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, mais ok? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Ça
Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. C'était drôlement longtemps, là-haut. En fait, je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit, maintenant? Non, je te jure. Et tu veux bien finir le repas? J'aimerais bien finir mon truc, là. Ah oui, pas de problème. Super. Voilà, c'est fait. Oh. T'as terminé? Ouais. Ah. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, ta journée? Quoi? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée? Oh. Elle était sympa, un jour comme les autres au paradis. Mmh. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Mmh. Ouais. Alors t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas. Voilà. Vrai. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben. Au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Ah! Quoi? T'étais où? Bah, là, agressé à la fourchette. Ouais, vraiment? Quoi? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi porte mon article? Quoi? Celui-là. Les vols à Bangkok, qui sont... qui ont des problèmes à cause de la pollution et qui ne peuvent pas atterrir. Wow. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais c'était quand même vraiment... pas loin, à vous. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est positif. Jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je ça sais, vaut pas oui, la peine. Mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan.
Tu l'as pas vu depuis bon, quoi ? Bon, Elena. 2 ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir ? Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Ouais, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non mais t'es malade ! Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça mais s'appelle ! Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ah ok, d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est ? Non, ça charge, là. Ça charge ? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient ? Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Je savais. Ouais, ouais. Ça va. Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait kit ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Ah ouais. T'as vraiment l'intention de me réutiliser ? Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Voilà. Ça devrait être C'est ça, vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens, qu'est-ce juste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer. Montre-moi ! Je vais te montrer ! De quoi t'es capable ? Qu'est-ce que tu dis ça ? Hein ? Hey, est-ce que t'es heureux ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Approche. On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider ? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus svelte, et carrément moins grisonnant. Sam ? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam ! Oh, ça va, du calme, y a pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus ? Ouais, et pas qu'un peu, tu vois, c'était là. Ah, vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteur, ils m'ont un peu rafistolé, puis... Il m'a recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé 2 secondes, je serais venu sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan, t'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Eh ben alors, tu restes avec moi ? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, je te garantis rien. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Oh là, oh là, on se calme. Hein ? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? J'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple ?
Tu t'es pris une balle? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya? Ouais, c'est vrai. C'est des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais, Sam, par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok, tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène? Oui, je vois. Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panama? Ouais. Ouais. Attends, tu sais pas la meilleure? J'ouvre le cercueil, et là je vois qu'il est vide. Mais, tout au fond, il y a son vieux journal. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que je peux te dire? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sorti vivant? À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Chiotte, va falloir que je lui balance tout. Nathan. Écoute, je suis dans une mer de noir. Quoi? De quoi tu parles? Quel genre de merde? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu dis pas ce soir? Samuel, viens ici. Tu entends? Les gardiens, ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie? De leur misérable boulot? Bah. Ils ont leur femme qui les attend à la maison. Et nous, on a quoi, hein? Je le prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Et quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avery et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avery? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce que me dit aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune? Oui. Vámonos. Samuel! Ah!
Agua. Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors, ce que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près, mais... En fait, tu vois, c'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même une carte solide. Oh, d'accord. Attends, attends. Non, attends. Non. Hé, hey, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame et un cuchillo. Tu vois, le problème, c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Non! Combien de temps? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible! 3 mois! La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le! 3 mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras le moins, je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein? Vamos! Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas! Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel! Donc, Alcazar m'a laissé mettre les poules. Et voilà. Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avery ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. Raison, celle-ci est toujours intacte. Avery avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce,
sera vendu aux enchères dans 3 jours au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais. Bah ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah, ouais. Ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Je sais pas, moi. Putain. N'importe qui, Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui non, que j'irai voir pour non, un coup comme ça. Rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie. Tu vois quelque chose? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de la vérité. Mais je lui fais confiance, ok? C'est ma famille. Attends, non. Écoute, je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Tu vois? La confiance. Ça y est, merci. Nathan? Mais quoi? Oh, ouais. Ok. Ça va? Ouais. De quoi j'ai l'air? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Sully? Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un bail.
Pas trop longtemps, mon gars. Tu te souviens de mon frère, le Maccabée? Victor. C'est pas croyable. 15 longues années. Ouais. Content de te voir en vie, Sam. Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok? Ouais. À ce propos. Quoi? Comment ça, à ce propos? Venez, j'ai un truc à vous montrer. Regardez. C'est la croix d'Avry. Ah, ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lots. Faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères? 10 ou 15 minutes, Maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. On a juste besoin d'une diversion. Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix. C'est ça la solution? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière. Et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Scusate, signore. Antipasti? Ça va, merci. Salut. Comment ça va? Ciao. T'arrêtes tes conneries? Un serveur se ferait pas remarquer. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. La cave se trouve ici. Allons-y. Oh, quel luxe. C'est évidemment faut qu'il passe la technologie européenne à deux balles. Excusez-moi. Vous y voilà. Ok, c'est parti. Ok. Allez, on va réessayer. On va avoir besoin de ça. Parfait. Bonne chance. On reste en contact. Ouais, c'est parti. On peut peut-être utiliser ça, trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'aide à grimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Allez. C'est bon. Il y a quelqu'un. Buonasera. Ma che sta facendo? Vas-y mollo avec les civils, Sam. Quoi? Il va se réveiller en quel but avec la migraine? Ça nous est déjà arrivé, non? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Ok, direction le local électrique. Oh merde! Dernière nouvelle, il était rangé, il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Ouais. Ça fait un sacré bail. 10 ans, peut-être. 12? Non, 15.
Incroyable, le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment? Il me semblait que tu avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire maintenant. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Oh, tu dois te toucher un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, ce sont les bonnes affaires. Rafler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir? Eh, ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant honnêtes. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans, mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaires sur ce coup-là. Je vois. Oh, quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain réseau. Un crucifix en bois incrusté ayant appartenu à la famille. Bon, comme j'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, Sully. Comment t'as entendu parler de ça? Ça? Et de quel ça tu parles, Rafe? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Vladimir. Arrête tes conneries, vieux débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici, mais si t'es là seulement pour enchérir sur la croix d'Avry, alors là je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce sera le kiffant. Eh bien, on s'est compris, je crois. Ravi de vous avoir revu. Nate. Nate. C'est pas vrai, petit, mais qu'est-ce que tu fous encore? Ok. Le fameux local. Je vais y arriver. C'est parti. Bon, où est-ce qu'ils sont? Ah, c'est pas vrai. Sam, Sully, vous êtes là? Oh, de Dieu, petit, mais t'étais passé où? J'ai eu un peu de mal. J'ai bien failli me faire griller plusieurs fois. Ouais, bah si tu veux toujours couper le courant, c'est le moment ou jamais. Ok, mais il va me falloir une minute pour atteindre le disjoncteur. Malheureusement, on n'a pas une minute. Rafe est sur le point de repartir avec la croix. Attends, quoi? Rafe? Rafe est dans la salle? Oui, Rafe est dans la salle. Et pendant qu'on discute, c'est lui qui a la plus grosse enchère. Renchéri, t'as pas le choix. Et avec quoi? J'ai pas un rond sur moi. Sully, on le vole ce truc, t'as oublié? Et s'il renchérit pas sur mon offre? Oh, il le fera pas. Nous avons 90 000. Quelqu'un veut-il encore enchérir? Les gars, si on récupère pas cette croix, j'aurai déjà un pied dans la tombe. Seulement si je me retrouve avec la meilleure enchère, on aura tous un pied dans la tombe. Sully, il faut absolument que tu gagnes un peu de temps. Fais-moi confiance. 90 000 une fois, deux fois... Alors, allons-y. Bene. Nous avons à présent 100 000 euros dans la salle. Grazie. Quelqu'un veut-il encore enchérir? Nous avons désormais la somme de 110 000 euros dans la salle. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Nous en sommes à... T'en fais pas. On sera dehors en moins de deux. Ouais, bah vaudrait mieux. Ok. J'ai juste à casser le verrou. L'enchère atteint désormais 130 000 euros. Nous sommes maintenant à 140 000. Rien du tout. On sent. Avec votre enchère, monsieur, nous passons à 150 000 euros chose. Pour ce lot. Allez. Eh, hey, frangin, ça commence à être vraiment chaud par ici. Oui, à 20 secondes. Nous atteignons maintenant la somme de 160 000 euros dans la salle. Oui. Ce monsieur nous propose maintenant 160 000. Je suis devant le disjoncteur. Vous êtes prêts? Oui, plus que jamais. Victor? Attends une seconde. Ce monsieur propose maintenant pour ce lot la somme de 200 000 euros. 500 000 euros!
On en finisse pour de bon. Merci. Nous avons maintenant la somme de 500 000 euros dans la salle. Monsieur souhaite-t-il en gérer un nouveau ? Tu m'as fait peur pendant quelques secondes, Victor. J'ai cru que j'allais devoir te tuer. Ok. Gâchons la soirée de ce petit enfoiré. Quelqu'un d'autre ? 500 000 une fois ? 500 000 deux fois ? Adieu, j'ai vendu au monsieur à ma gauche pour 500 000... Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Le générateur de secours va prendre le relais. Elle est plus là ! Poussez-vous, allez, dégagez de là ! Arrêtez-le ! Hey ! Arrêtez cet homme ! Ferme ! Qu'est-ce que vous foutez ? Le laissez pas partir ! Vous n'avez pas ! Sparisci. Très bien. Victor, tu nous dis où est la sortie ? Faut que vous rejoigniez l'allée devant. Suivez les projecteurs. Je vais chercher la voiture. Ok. Comme sur des roulettes. Personne ne m'a repéré, je vais la jouer cool et sortir d'ici tranquille. Oh, excusez. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là ? Oh, mais vous non plus. Voilà ce qu'on va faire. Si vous me dénoncez pas, j'en ferai autant. Tu as quelque chose que je veux. Et tu vas me le donner immédiatement. Vraiment ? Eh bien, je suis très flatté, mais malheureusement, je suis déjà en couple. Alors maintenant, je vais y aller. Je suis pas d'humeur pour tes petits jeux. Donne-moi le crucifix. Madame, vous avez beaucoup de chance. Je suis un gentleman. Parce que c'est... T'aurais fait quoi ? Ok, c'est bon. Mais oublie pas. Je voulais pas faire ça. Fais voir ce que t'as dans le ventre. C'est trop télé... Pas mal tenté. Ça, c'était pour moi. Cadeau. Tu vas me donner cet artefact. Tu sais, les artefacts, c'est pas ce qui manque chez moi. Il va falloir que tu sois un peu plus précise. Attends, je vais essayer d'être plus clair. Bah écoute, ça doit être le décalage horaire. Et si on se disait qu'on est quitte ? Ou tu préfères continuer à faire le malin ? Tu sais, toutes ces choses que tu casses, elles ont de la valeur. Si tu continues comme ça, on va se faire virer. Arrête ! Arrête ! Il est dans ma poche arrière. Où est-ce qu'il est ?